J'ai reçu pour ce cadre boîtier de pédalier BSA en céramique. Bon, allez, on va démonter tout ça. On a la chaîne. Pédalier. C'est très simple, il faut d'abord dévisser ça. Ce truc. Allez, on va. Hop. Ici, on dévisse ça avec hop, le truc Shimano. Alors, je sais pas quel sens. Je suis pas très doué. Voilà, ça y est, dévisser. Voilà. On va essayer de dévisser à la main. Donc, c'est pour extraire le pédalier. Voilà comment ça fonctionne. J'ai vu sur les tutos. Comme ça, on revisse, on visse le truc, on visse, voilà, on met celui-là de ce côté pour extraire, on revisse. Et on dévisse comme ça, voilà, on dévisse pour extraire le pédalier. C'est pas magique tout ça? C'est extraordinaire, hein? Voilà. Les roulements en céramique, c'est ça, c'est du Zito. Mais ça a l'air d'être bon, hein. On verra bien ce que ça donne. Je vais voir ça. On va dévisser ça. Alors, j'ai pas la clé. J'ai une clé qui a été livrée avec. Mais je pense pas que ça aille. Ouais, ça va pas, ça c'est pas la bonne clé parce que ça va être la clé des roulements céramiques que j'ai reçus. Mais pas. Donc un torchon, j'ai pas autre chose. Voilà, ouais, donc on dévisse. On dévisse comment? On va dévisser comment? Voilà, ça se dévisse comme ça. Voilà, hop, vous voyez, ça dévisse facilement, hein. Voilà. On va comparer. On va comparer. Ça a l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air d'être bon. Ouais. De la graisse. Or, je me suis pas cassé la tête. Décathlon. Voilà. De la graisse Décathlon. Voilà. Voilà. La graisse Décathlon. En principe, ça devrait être bon. Voilà, on va mettre 500 millions, on revisse, ça a l'air de visser comme ça, ouais, ça se visse, voilà. Il y a du gravier, je crois. On va nettoyer. Les choses ne passent pas encore. Tu peux. On va essayer de nettoyer. Voilà, ici. On va mettre un petit peu. La graisse. Parce que je sentais un petit peu de gravier, là. Tester la clé qu'ils ont envoyé avec, donc 23 euros en céramique. Je sais pas ce que ça vaudra,
On ne sait pas ce que ça va valoir. De toute façon, je garde le reste. On verra bien ce que ça donne. Je garde la clé pour visser. Est-ce que... Voilà. Alors, je commence. Hein. On va faire un petit essai comme ça. J'ai pas l'impression que hein, ça a l'air de fonctionner. Ça passe pas, ça. C'est quoi cette histoire-là? Ah si, ça passe. Ça passe, mais il faut... Ça s'enclenche. Il faut trouver... Voilà. Bon, les newtons, machin, bah... Voilà, quoi, les newtons, on verra ça dans une autre vie. Je ferme, je visse. Ça suffit largement. On va dévisser de l'autre côté. C'est ça, comme je dévisse, comme ça. De l'autre côté, bah, je sais pas comment on va dévisser. Je vais visser très fort la dernière fois. Est-ce qu'il très fort, je ne sais pas. Je connais rien. Donc je vais décider de le voilà. Parce que je suis vraiment un novice dans la mécanique. J'essaie de faire tout en même temps parce que ça coûte cher de faire la même chose. Donc j'apprends. Donc le mieux, je vais monter cadre. Je vais en parler tout à l'heure. On teste. Tu sais pas le visser de fariole. Je comprends bien. Si vous êtes fait en mécanique, vous allez jouer. Ah, je vais mettre de côté. Parce que là, ça va. Voilà. Je vais mettre de travers. Et c'est pas bon ça. Avec la clé. Voilà. Il faut mis 27 euros. 27 euros. Ancien arc récito. C'est une bonne marque, apparemment. Voilà. Je sais pas s'il faut qu'on en mette. Je sais pas s'il faut en mettre comme ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Allez. Ouais, je vais mettre un peu de poule. Je vais mettre un peu de poule. Parce que ça rentre. Ça rentre. Le patouille là, alors, je pense que ça y est plus, j'ai une adresse. Donc, alors, on va déconner, on va mettre un peu. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est extraire ce truc. Parce qu'on va tout visser. Donc, voilà, on visse. On va le visser au bon endroit. Donc, il y a du moins pareil, j'ai un petit. Je suis en train de faire le change. Et les poids d'amphi, on peut gagner énormément de poids, parce que pour ça, on peut vous en ficher. Je vous explique l'idée. Et je pars. Je pars loin. Et je fais mon code. Je vais faire un peu plus tard, je vous ai fait. Donc au final, on a besoin d'avoir un vélo. On a besoin d'avoir une machine qui. Une machine légère au final. Parce que quand vous faites minimum 150 km tous les jours avec 3000 de dénivelé, on est content d'avoir un vélo léger. Voilà. En plus, je le fais. Un bon petit rythme, j'essaie pas de le faire le moins vite possible. J'essaie de. Alors, je sais pas si c'est bien hein, ce que je fais. Je sais pas du tout si c'est bien. On verra. Alors, je sais pas si je monte pas à l'envers. Hein. J'ai l'impression que je monte à l'envers. Hein. J'ai l'impression que je fais un peu. Attends, je sais pas si je fais pas n'importe quoi. Je crois que. Je crois que je mets le truc à l'envers. J'ai l'impression que je le mets à l'envers. Attends. Il est pas assez. Je sais ce qui se passe. Il est pas assez enfoncé. Il est pas assez enfoncé. Le truc. Il est pas assez enfoncé. C'est ça le truc. Bon, finalement, retour, c'est pas si mal que ça. Hein. Retour, c'est très léger. Ah, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, il me faut ce truc. On va voir si ça marche comme ça. Mais je crois que... Je crois que j'ai passé ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Donc, J'ai l'impression que j'ai bien vissé. Il n'y a pas de jeu. J'ai l'impression que j'ai bien vissé. Voilà. Bah écoutez, ça a l'air d'être ok. Bon après voilà, hein. Est-ce que ça va tourner? Oui, ça tourne. Hein. Ça tourne pas mieux que normal, hein, on va dire. Je sens pas plus de trucs, on verra. Hein. 27 euros. Ah oui, j'ai donc abîmé. J'ai rayé le cadre avec ça en sortant. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre la chaîne. Donc j'ai mis c'est le roulement rotor. Ici même, je vais vous montrer le cadre bientôt. Une fois fini, poids du vélo 6 kg à peu près. 6 kg 2, 6 kg 4. Il n'y a plus qu'à tester. Ça marche à bloc.